Hugo ! Hugo ! Oh non ! Hugo ! Réveille-toi. Je crois qu'il s'est cogné. Est-ce qu'il a eu le temps de supprimer les plans du moteur ? Je sais pas, vérifie, il y a son ordi. Hugo ! Yes, c'est bon. Plus de traces des fichiers. T'étais là avant ? Bah non. On est arrivés ensemble. Ah, c'est rien. Il avait perdu la sienne, je lui ai juste prêté. C'était mon pote, arrête tes suspicions à deux balles. Non mais arrête, t'étais super jaloux de lui. Tu te rappelles le concours au CNRS ? Tu as pas parlé pendant 2 semaines après qu'il t'ait battu. Qu'est-ce que tu racontes ? On va qu'à regarder dans ses affaires, tu verras qu'il l'a pas. Regarde. Il est vide. Tu l'as toujours au poignet ce bracelet là, non? Oh, tu l'as retrouvé? Je le cherchais partout. Tu le cherchais partout? Depuis quand? Depuis que t'as tué Hugo? T'avais besoin d'argent et tu supportais pas qu'il gagne plus que nous? Non mais... Mais attends, mais comment t'oses m'accuser? En fait, tu supportais pas qu'Hugo soit meilleur que toi parce que t'es juste un égocentrique qui veut toute la gloire pour toi-même et... Et tu me dégoûtes, en fait, t'es prêt à tout pour être le meilleur. C'est pour ça que t'as tué Hugo. Mais tu délires, j'ai rien fait, mais c'est toi. Stop. Monsieur Dupré. Julie, arrête. Ce n'est ni toi ni Mathis les coupables. Le coupable, c'est moi. Quoi? Vous? Laissez-moi vous expliquer. Hugo, tu fais quoi ici à cette heure-là? Tu nettoies des empreintes? Réponds-moi! On n'a pas beaucoup de temps. On va se faire opérer si on reste ici. J'ai entendu vos petits secrets tout à l'heure. Alors, soit tout le monde se tait, soit moi si je parle. Vous décidez. On dira rien.